Hello tout le monde ça fait plaisir de vous retrouver, hello tout le monde, pour cette nouvelle année. Bah d'ailleurs bonne année à tous. Ça fait plaisir. Là il y a du monde là dans le chat. Nouvelle année bah d'ailleurs bonne est là. Là il y a du monde là. Randomax. Il y a du beau gosse masqué. Il y a du beau monde. Léo bien évidemment. Il y a du beau gosse masqué. Une petite. Il du beau monde. Sleeping wolfie est là. Physionique comme d'hab. Qui nous a rejoint. Une Effectivement. Voilà. Il On a le droit de. On a droit au stream là sur. Pendant la pause. Voilà. On a le droit de. On a le droit au stream

est-ce qu'il y a toujours de l'écho à partir de maintenant pour ton sub Est-ce qu'il y a toujours de l'écho à partir de maintenant pour ton sub Est-ce qu'il y a toujours de l'écho à partir de maintenant pour ton sub Alors attendez. Est-ce qu'il y a toujours de l'écho à partir de maintenant Je regarde. C'est pas bien de l'écho à partir de maintenant. Je regarde. C'est pas bien de l'écho à partir de maintenant. Je regarde. Normalement ça devrait. Normalement, ça devrait être bon, là, maintenant. Est-ce que c'est oui Oui, c'est bon. OK. Bah, désolé, c'est... Euh... Bon, ben, bah, merci pour les subs. Merci pour les subs, FBI. Léo. Yoru, Merci pour les subs, les gars. Le train de l'hype pour, pour fêter cette nouvelle allée. Merci wither28. Merci pour la bande annonce. Je suis sûr qu'avec une bande annonce comme ça, merci pour les tirs, une petite. Je suis sûr qu'avec une bande annonce comme ça, on peut que faire adhérer les gens à la programmation à mon avis, quoi. Alors, donc, on va démarrer. Désolé. Merci Sker34. Donc désolé, on, on démarre, on démarre. Euh, donc aujourd'hui, voilà, comme ça on est prêt, on n'a pas l'écho, on n'a rien du tout, on s'est souhaité la bonne année, on s'est fait des checks, des coups, graphique est là, donc on peut y aller. Alors aujourd'hui, on va, on va parler de quoi On va parler des processus en informatique. Donc rien de mieux qu'une belle page Wikipédia pour résumer un peu toute cette affaire. Donc finalement, en fait, un processus en informatique, c'est quoi Ça n'est ni plus ni moins que l'instance d'un programme qui est en cours d'exécution sur un ordinateur. Donc euh... En fait, l'idée principale, c'est que bah, nous, en tant que développeurs, on écrit du code source qui nous permet de fabriquer ce qu'on appelle un programme informatique. Donc un programme informatique, c'est euh, quelque chose qui se matérialise sur un ordinateur par un fichier exécutable. Donc ce fichier, il existe en une seule instance sur euh, l'ordinateur, enfin au moins en une instance sur, sur l'ordinateur. Et en fait, euh, lorsqu'on demande au système d'exploitation qui... Euh, Régit euh, l'ordinateur qu'on utilise. Lorsqu'on lui demande de lancer ce programme-là, qu'est-ce qui se passe L'ordinateur, en fait, il va créer une zone en mémoire dans laquelle il va charger le contenu binaire de ce programme en adaptant un peu euh, des, des petites choses. Et en fait, cette zone en mémoire, euh, l'ordinateur va se mettre à l'exécuter, c'est-à-dire qu'il va se mettre à exécuter pas à pas le code. Euh, le code binaire en fait qui a à l'intérieur en fait ce code binaire euh, va être composé d'instructions qui vont être déroulées par le, par, le, par le matériel donc notamment le microprocesseur et en fait cette zone en mémoire qui est en train d'être exécutée c'est ça qu'on appelle un processus donc typiquement en fait un processus euh, pour un programme donné il peut y avoir plusieurs instances de ce processus euh, de plusieurs instances pardon de ce programme qui sont en mémoire donc chacune de ces instances est un processus donc euh, et puis, lorsqu'on dit que le processus il est en cours d'exécution, euh, ça veut dire qu'il est euh, entre guillemets vivant, c'est-à-dire qu'il existe en mémoire, mais il peut avoir différents états. Et euh, dans ces différents états, euh, bah, on a des processus qui, qui peuvent être arrêtés entre guillemets. Donc, euh, un processus en cours d'exécution, il peut être stoppé, il peut être en pause, il peut être démarré, il peut être redémarré, euh, etc., etc. Donc, typiquement, euh, si je vous donne un exemple, vous avez déjà utilisé euh, GDB. Lorsque vous utilisez GDB et que vous lancez, vous demandez à GDB de lancer un autre programme, ben GDB il va lancer, donc il va, il va demander au système d'exploitation d'exécuter un programme. Donc l'autre le, 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 processus va être en cours d'exécution, mais GDB lui il va lui demander de faire des pauses dessus pour pouvoir analyser ce programme pas à pas. Donc vous voyez qu'un programme peut être en cours d'exécution et pourtant être en pause. Donc, euh, être en cours d'exécution, ça ne veut pas forcément dire euh, que euh, le programme est en train de se dérouler. Il peut être suspendu, typiquement lorsqu'on utilise un débugger pour euh, débugger un programme. Donc, vous voyez que là, euh, dans euh, euh, le... Comment dire Dans le... Merci Pandawa pour ton, pour ton sub. Euh, dans, le, dans le cadre du, euh, de, de, de l'exécution d'un processus, vous voyez que là, sur Wikipédia, on vous met euh, un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe. Euh, merci Zifix pour ton follow. Donc on vous explique un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'un processus peut euh, s'initier, enfin comment est-ce qu'il peut se lancer. Vous voyez qu'il y a d'abord une phase, bien souvent une phase d'initialisation, et puis après le processus il est prêt. Euh, et une fois qu'il est prêt, bah, on peut le se mettre en exécution, ou alors on peut le bloquer et le faire entre guillemets s'endormir. Et puis une fois qu a, que le processus est terminé, bah, il finit dans la zone terminée. Donc tout ça, ça va permettre de nettoyer un peu toutes les, tout ce que le processus il a, il a capturé comme, comme, comme ressource. Et puis là, on a une version un peu plus détaillée de ce que pourrait être un processus. Donc voilà. Et puis on vous raconte qu'un processus, bah finalement, il peut y avoir, selon les systèmes d'exploitation, bien évidemment, il peut avoir aussi différents états. Il peut être swappé, il peut être préempté, il peut être un zombie. Euh, il peut être en exécution en espace utilisateur, en espace noyau. Donc euh, ce sont des choses en fait. Voilà, c'est de la littérature. En tout cas, ce sont des, 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 des choses qu'on peut être amené à, à voir dans, dans le cadre des processus. Et nous, on va, on va voir un peu euh, ces choses-là aujourd'hui. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, c'est quoi C'est un peu les états des processus. C'est surtout comment est-ce que bah, finalement... Euh, comment est-ce qu'on lance un nouveau processus Parce que l'idée globale, en fait, de toute cette affaire là, de ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, c'est que bah, finalement, euh, on, va se, on a pour objectif de réaliser un interpréteur de commande. Et comme je vous l'ai dit, un interpréteur de commande, c'est n'est ni plus ni plus ni moins qu'un programme dont le but est de lancer d'autres programmes. Donc, c'est un programme qui euh, va, lancer, euh, va demander au système d'exploitation d'exécuter d'autres programmes. Donc, typiquement là. Euh, lorsque je suis dans mon, dans mon, dans mon shell, donc là, je, vous voyez bien, là, j'ai euh, au moins un programme qui est en train de tourner ici. Et, euh, et en fait, si je tape ls-l, qu'est-ce qui va se passer Et eh ben en fait, euh, alors je vais faire la parce que j'ai rien dans mes fichiers. Si je fais ls-la, et eh bien vous voyez que mon shell, donc là, mon, mon shell qui fait clignoter un curseur, il va récupérer dans l'entrée standard la chaîne de caractères ls espace-r -la il va récupérer cette chaîne de caractères, il va l'analyser un petit peu et il va se dire ah ok en fait c'est le programme ls qui va faire que je lance avec ces commandes là donc il va demander au système d'exploitation de lancer euh, le, le, le programme ls avec ces commandes là ls se lance il fait le taf qu'il a à faire donc il va récupérer les informations qui a dans mon dossier il va me les afficher sur la sortie standard il va quitter et du coup je vais récupérer la main dans mon shell donc voyez un peu euh, ce qui se passe alors Quelques petites questions. Euh, GDB fonctionne en espace noyau. Alors là, pour le coup, euh, GDB il fonctionne pas en espace noyau. En fait, euh, GDB il fonctionne côté utilisateur. Tout ce qui fonctionne côté espace noyau, ce sont en fait les, euh, les fonctionnalités que le système d'exploitation nous offre. Donc, typiquement, lorsque vous exécutez un programme, euh, parfois il y a besoin de faire des allers-retours avec le noyau. Donc, le noyau, c'est le système d'exploitation. Typiquement, lorsque vous utilisez la commande write, et eh ben en fait le code, il va sortir de votre espace mémoire à vous pour aller dans l'espace mémoire du système d'exploitation pour aller exécuter euh, une fonctionnalité clé du système d'exploitation, typiquement faire un write. gdb lui il fonctionne côté espace utilisateur, mais parfois il fait appel à des appels système et les appels système, les read, les write, les open, les close, etc. Toutes ces fonctions système, en fait, c'est du code qui se déroule côté euh, espace noyau. Donc non, gdb se déroule côté euh, espace standard. Mais avec quelques fonctionnalités, bien évidemment, qui se déroulent du côté du noyau. Mais d'ailleurs, petit disclaimer, en deuxième année, vous allez réaliser ce qu'on appelle. Euh, enfin, vous allez réaliser deux projets, au moins deux projets, Ftrace et Strace, et finalement, en fait, ce sont des projets qui vont permettre de comprendre un peu co comment fonctionne un débugger type GDB. Donc vous allez pouvoir. Donc ce sont des programmes qui, an, qui analysent l'exécution d'autres programmes et typiquement on pourrait faire une pause sur ces programmes-là pour pouvoir les dérouler pas à pas. Donc ça c'est quelque chose que vous allez voir euh, l'année prochaine. Euh, alors donc nous notre affaire là jusqu'à maintenant donc, on parle de programmes. Donc là vous voyez que j'ai des programmes qui sont en train de tourner sur ma machine pour pouvoir voir un peu qu ce qui tourne sur ma machine, ce qui tourne sur ma machine pardon je peux utiliser un programme qui s'appelle PS. Donc, si on regarde PS, rien à voir avec une formation politique euh, disparue de nos jours. Euh, donc, si on regarde en fait PS, ça sert à quoi C'est le process statut. Donc, ça me permet d'afficher les, les, les process qui sont en cours d'exécution. De, donc, euh, donc, ça me dit plein d'options. Alors là, typiquement, moi je suis sur euh, macOS. Donc la version PS qui est sur, présente sur macOS, c'est la version BSD. Sous Linux, c'est la version GNU euh, Linux qui est présente dessus. Elle a des petites différences. Et donc euh, il euh, y a quelque chose que je ne vais pas pouvoir faire ici sur Mac, que vous, vous allez pouvoir faire sous, euh, sous, euh, sous, euh, sous, euh, sous Linux, mais j'en parlerai un peu après. Donc si je fais PS, qu'est-ce qu'il me dit bah, Finalement, il me dit, voilà les processus qui sont en cours d'exécution dans ma session. Euh, en ce moment. Donc euh, là, c'est euh, tous les processus qui sont en train d'exécuter dans ma session de terminal. Si j'ai envie de récupérer tous les processus qui sont en train d'être exécutés et qui m'appartiennent, euh, je peux faire un PSA. Euh, non, PSA X. Je me souviens plus des options de PS en entier. Mais bref, en général... Euh, c'est souvent PSAX. Ah oui, non, PSAX, en fait, ça affiche tous les processus. Mais vous savez quoi, je vais rentrer. Alors, le problème, c'est que pas de j'ai pas de Linux sous la main, mais typiquement, euh, taper des, des, des choses. Donc, quand vous voyez un peu, vous avez déjà tous utilisé un, un moniteur d'activité. Donc là, quand vous êtes sous Windows, c'est le gestionnaire des tâches, me semble-t-il, le nom du, de, de l'outil. Vous voyez que là, ça vous dit tous les programmes qui sont en cours d'exécution, euh, le pourcentage des trucs que ça prend, à qui appartient. Le programme, donc qui est l'utilisateur qui a lancé ce programme Là, donc, typiquement, vous voyez que là, moi, j'ai plein de programmes qui sont lancés par mon utilisateur, et puis d'autres qui sont lancés par euh, d'autres utilisateurs, euh, genre euh, des serveurs qui sont lancés par des utilisateurs, LocationD, etc. Et puis plein de programmes qui sont lancés par route. Donc, ça, c'est pour avoir la version un peu graphique. Vous avez sous Linux, alors je me souviens plus comment ça s'appelle, mais enfin, vous arriverez à trouver des boniteurs d'activité like euh, sous Linux. Mais en, typiquement, moi, ce que je vous recommande, soit, ce que j'utilise moi au quotidien, c'est HTOP. Alors, vous avez top. Par, par défaut, vous avez top qui existe normalement, qui est installé dans votre ordi. Donc, top, qu'est-ce que ça fait ça, ça vous permet. Alors, ça, c'est une commande que vous avez aussi sous, sous Linux, euh, par défaut, me semble-t-il. Donc, c'est une commande qui vous permet d'afficher le moniteur d'activité, mais version, euh, version en ligne de commande. Oui, voilà, c'est le système moniteur sous Linux. Je me souviens plus de son nom. Merci, Giant Dwarf, pour ton, ta précision. Donc, top, ça affiche la version un peu. Euh, un peu en mode console de, 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 de ce euh, moniteur, euh, de, fin, ce gestionnaire de tâches là. Moi, ce que j'utilise, j'utilise Htop. <coughs> et vous voyez que Htop, ça me met euh, un peu les mêmes informations que Top, mais euh, je peux naviguer dedans, je peux me déplacer. Et vous voyez qu'en bas là, euh, tout en bas, mince, euh, ah oui, en plus on peut cliquer dessus. En bas, on peut euh, faire des choses. Donc là, typiquement, je peux filtrer tous ceux qui sont lancés par Quadridi. Et voilà, là j'ai mes, euh, mes tâches qui sont en cours d'exécution euh, en ce moment, qui, qui m'appartiennent, etc., etc. Donc là vous avez plein de choses qui sont intéressantes dans Top. Et en fait, lorsque vous faites Top-T, HTop-T, pardon, ça vous présente non seulement les programmes qui sont en cours d'exécution, mais en plus ça vous affiche une arborescence. Alors vous voyez que tout à l'heure moi j'ai lancé Top. Htop sans le t ça m'a affiché quand même l'arborescence, mais ce n'est pas forcément le cas, ça dépend de vos configs. En tout cas, pour être sûr d'afficher l'arborescence, vous lancez Htop avec un t Donc, a priori, Htop, ce n'est pas une commande qui est installée par défaut. Je vous recommande de l'installer parce qu'elle donne quand même des informations assez chouettes et on peut naviguer dedans assez facilement. Donc là, ça m'affiche une arborescence. Alors, pourquoi est-ce que ça m'affiche une arborescence C'est parce qu'en fait, dans le monde Unix, donc, euh, quand je dis le monde Unix, c'est euh, les systèmes d'exploitation que vous connaissez hormis euh, Microsoft, euh, hormis les systèmes d'exploitation Microsoft, donc euh, Windows euh, 2000, NT, ce que vous voulez, quoi, en BD de tout. Euh, dans le monde Unix, un processus ne se crée qu'à partir d'un autre processus. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que bah, pour lancer un programme, il faut que ce, les programmes ne peuvent se lancer qu'à partir de programmes. Et donc, comme les programmes ne peuvent se lancer qu'à partir de programmes, eh bien, chaque programme, il a un, un identifiant, ce qu'on appelle un PID. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà eu l'occasion de voir lorsque vous avez euh, fait le, le Navy. Donc, c'est le process identifier. C'est un, un nombre qui associe, c'est un nombre unique qui associe un processus pour pouvoir l'identifier dans le système d'exploitation. Donc, il a un identifiant, mais comme il a été lancé à partir d'un autre programme on connaît aussi l'identifiant du programme parent donc typiquement ici euh, si je regarde est-ce que dans setup je peux avoir euh, le, 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 le display option euh, attendez show user machin non non je regarde si on peut l'afficher non Okay. Je, je, je pense qu'il y a un moyen d'afficher dans, dans HTOP les, les, le processus par an. Mais toujours est-il que, ici, vous voyez, comme je les ai en mode arborescent. Alors attendez, je vais rechercher mon HTOP. Donc pour rechercher, je fais un slash et puis j'écris HTOP entrée. Et vous voyez, voilà, je vais le mettre au milieu. Vous voyez que HTOP ici, donc je vais sur ma ligne. Donc HTOP-t. Il a bien été lancé à partir d'un autre programme, à partir de mon shell, ZSH. Et mon shell ZSH, il a été lancé à partir d'un programme que Root a lancé. Et ce programme, Root l'a lancé, pourquoi Parce que j'ai ouvert mon terminal. Vous voyez que là, je suis en train d'utiliser un outil qui s'appelle Terminal. Là, vous voyez, là, j'ai mon nom qui s'appelle Terminal. Là. Donc c'est un outil macOS qui s'appelle Terminal. Cet outil macOS qui s'appelle Terminal, lorsqu'il se lance manifestement, euh le, le fait de lancer un terminal, ça demande au système d'exploitation, en tout cas à route, de lancer quelque chose qui s'appelle login qui va lancer à son tour le shell que moi j'utilise dans mon système. Donc là, je n'utilise pas Bash, j'utilise ZSH. Et lorsque j'ai utilisé ZSH, à un moment donné, j'ai tapé Htop entrée et ZSH m'a lancé Htop. Donc vous voyez que chacun des processus, il a un processus par an. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de, 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 de voir que tous ces processus-là au tout début, il y a le process ID euh, 1 qui est lancé. Donc, tout le, dans le système Unix, le processus ID 1, c'est forcément le processus de là d'où tout démarre, en fait. Lorsque vous regardez, vous, un stop sous, euh, sous, euh, sous Linux, vous verrez qu'il y a un processus qui a un PID de 1 qui s'appelle init. Et en fait, c'est le tout premier programme qui est lancé au moment où votre machine démarre. Quand votre machine elle démarre, bien souvent il y a une espèce de bootloader qui s'appelle Grub, euh, enfin votre machine euh, Linux bien évidemment. Quand ça démarre, normalement vous avez ce qu'on appelle un bootloader. Donc c'est quelque chose qui va permettre au système d'exploitation de se lancer. Donc le système d'exploitation va se lancer. Et une fois que le système d'exploitation est lancé, il va démarrer un programme qui s'appelle Init, qui a un PID de 1. Et ce programme Init, il va se charger de lancer tous les autres programmes. Donc un truc qui peut être rigolo à faire, je vous testez-le mais peut-être pas maintenant. C'est si vous faites un kill -9 de 1, qu'est-ce que ça va faire Ça va tuer votre processus init. Et en fait, lorsque un programme se termine, et ben, non seulement il se termine lui, mais tous ses enfants se terminent avec lui. Regardons un petit peu comment est-ce qu'on pourrait avoir ce genre de choses. Donc, euh, je vais ouvrir un deuxième terminal ici. Regardez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer bash. Dans mon bash, je vais lancer zsh, Je vais relancer un bash. Je vais relancer un zsh. Et puis là, je vais lancer un stop. Je recherche mon stop. Et regardez ce qui se passe. Ici, donc je suis toujours dans mon terminal. Hop, pardon. Vous voyez que. Hop, pardon, c'est que la souris et le truc en même temps. Voilà. Donc là, j'ai lancé mon terminal. Mon terminal, vous voyez que j'ai deux, deux fenêtres. J'ai celle-là et celle-là. Donc, manifestement, le, ce ZSH qui y a là, ça doit correspondre à celui-là. Hop, pardon. Merci pour le follow. Donc, vous voyez que ce programme. Euh... Donc, hop, pardon. Ce ZSH qui est là, il est par ici. Et le HTOP, ce HTOP qui est là. Il a été lancé par ZSH qui lui-même a été lancé par Bash qui a été lancé par ZSH qui a été lancé par Bash qui a été lancé par mon ZSH. Donc, et imaginons que je kill. Donc, j'envoie le signal kill. Ça, ça permet d'arrêter un programme. Si je kill le PID 16803, 16803, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que bah là, euh, bon, euh, il va se passer des trucs un peu chelous. Et typiquement, hop pardon. Ah bah il est... Non mais attendez. J'ai fait un CTRL D par la même occasion, donc là c'est un peu dommage. htop-t. Je regarde juste où est-ce qu'il est, qu est moins stop. Ok. Donc je relance bash qui relance zsh qui relance htop-t. Voilà, pardon. Donc je recherche htop Donc je suis ici. Et imaginons que je veuille qu'il se bash là. Donc je vais kill le 18-232. Alors attendez, ce que je vais faire c'est que je ne vais pas lancer HTOP. Ce que je vais faire c'est que je vais plutôt lancer Emacs. Parce que. Voilà. Donc si je lance HTOP. Et le HTOP je vais le lancer d'ici, ce sera peut-être plus simple. Donc si je recherche ici mon Emacs. Emacs. Voyez que mon iMax, il est là. Donc il a bien été lancé à partir d'un ZSH qui a été lancé à partir d'un bash qui a été lancé à partir de ZSH. Si je kill ce bash là, donc là pour kill, je fais F9 et je choisis le signal 9, j'appuie sur entrée et voyez que comme j'ai kill un processus, eh ben, le processus quand il a été kill par défaut, il envoie un signal de terminaison à l'ensemble de ses processus enfants. Donc à chaque fois qu'un processus est lancé, il peut lancer d'autres processus. Et puis euh, ces processus enfants, finalement, euh, ils ont une vie et euh, ils peuvent être, ils se terminent si le processus parent est terminé. Donc, ce qu'on va faire là pour l'instant, dans un premier temps, c'est d'abord essayons de créer un processus qui en lance un deuxième. Donc, pour faire ça, je reprends un peu mes notes. Voilà. Hum, donc, on va faire un processus first process first. Bon. Pas très intéressant comme nom, donc faisons un programme, un bête programme, un bête hello world. Donc là, je vais utiliser include stdio.h pour afficher un printf hello world. Hop, voilà. Donc ici. Donc je compile mon programme first et puis je vais le lancer. Donc vous voyez, bon a priori, rien de bien méchant. J'ai fait un Hello World. Donc ce qui se passe en fait c'est que comment est-ce qu'on fait pour qu'un pour qu processus en crée un deuxième Pour qu'un processus en crée un deuxième, on va faire appel à une fonction qui s'appelle... Alors attendez, je lis un peu, est-ce que le kill du processus parent attend l'arrêt des processus pour se résoudre ou est-ce que. Alors oui, euh, la question c'est de savoir. Euh, je, vais, je vais y répondre. Dwarf, je vais y répondre après. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Qu Donc, pour, pour lancer un autre processus, on a, différentes, on a différentes façons pour réussir à créer un processus à partir d'un autre processus. Mais la façon la plus euh, commune, dans un premier temps, c'est d'utiliser une fonction qui s'appelle fork. Alors, on va regarder ce que fait le fork. Donc, fork, ça crée un processus enfant. Donc, Fork, ça crée un processus enfant en dupliquant le processus appelant. En fait, qu'est-ce que ça fait, Fork euh, Donc, au moment où je vais lancer mon programme first, qu'est-ce qui va se passer Ce programme first va se dérouler en mémoire. Je vais appeler Fork, et en fait, l'instance du, pro, du processus qui, euh, qui, qui est en cours d'exécution va se dupliquer en mémoire pour lancer un autre processus. Essayons de voir ce que ça donne. Donc, j'ai rajouté un fork ici. J'ai besoin de mes deux include là. Hop. Puis, je vais rester. Donc, vous voyez là. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé Au moment où j'ai lancé first, first, au moment où il s'est lancé, il… Il a créé une nouvelle instance du pro, euh, du, de ce programme. Donc il y a un processus qui vient d'être lancé. Ce processus, lorsqu'il se lance. Attendez. Je vais faire ça. Peut-être que ce sera plus parlant. Before. Non. After fork. Et before. Donc le processus se lance. Il affiche. Ce texte-là, before fork, il crée un nouveau processus, il crée une instance, il se duplique en mémoire, donc ce processus. Donc à partir de ce moment-là, il y a deux processus qui sont en cours d'exécution, et ces deux processus en cours d'exécution, chacun va afficher after work, after fork, pardon. Donc là, on a quelque chose, on a un programme qui a réussi à nous créer un autre processus. Là, si je mets un deuxième fork. Que je relance, vous voyez que j'ai un, un premier processus qui affiche Before Fork. Ce processus, il va se dupliquer. Donc maintenant, il y a deux processus en mémoire. Ces deux processus en mémoire, ils vont afficher une fois chacun After One Fork. Donc il y a deux After One Fork qui sont affichés. Et chacun de ces deux processus va se dupliquer. Donc maintenant, ces deux processus vont se dupliquer. Donc maintenant, je vais avoir quatre processus. Et ces quatre processus vont afficher chacun After Two Fork. Donc je vais en avoir quatre là, je regarde dans le chat. Effectivement, BC Simon, alors BC Simon vient de nous proposer un truc très intéressant. Alors, pour la, la, la petite histoire petite histoire personnelle, la première fois que j'ai fait du système Unix, ça devait être genre dans les années il y a très longtemps. Genre 2000, je pense. En 2000, en 2000 l'année 2000, donc il y a 20 ans. Et euh, donc. Mon prof nous explique ce que c'est ce fork et le premier truc que j'ai fait, c'était ça. Le premier truc, le mec m'explique, je vois oh, Putain, si je fais ça, ça doit être génial Et effectivement, je l'ai lancé, je l'ai compilé, et euh, bah, instant, la machine l'a fait. Euh, elle a levé les bras, elle s'est dit « je peux plus rien faire Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'en fait, bah, à chaque itération, chaque processus en crée un nouveau et donc du coup, on se retrouve avec 1, 2, 4, 8, 16, 32 et puis très rapidement, on a des centaines de milliers de processus qui s'exécutent sur la machine. Donc autant vous dire que j'ai fait planter l'ordi et ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Donc je vous encourage à le faire. Mais moi, si j'ai envie de continuer le stream dans de bonnes conditions, je ne vais pas le faire. Je, je l'ai déjà fait je sais, je sais ce que ça donne. Donc, Là, l'idée, c'est que, voilà, pour l'instant, on a des processus qui peuvent en créer d'autres, etc., etc. Donc, euh, je vais revenir sur une question de giant dwarf. Donc, la question, c'est de savoir maintenant, lorsqu'on quitte un processus parent, qu'est-ce qui se passe en fait pour les processus enfants. Donc, on l'a vu là tout à l'heure, par définition, lorsque on, oui, mais, mais évidemment que je vous encourage à planter votre ordi. C'est votre ordi. Si vous n'avez pas le droit, vous avez le droit de le faire planter. Euh... <laughs> voilà promo 2005 left uh, the channel Non bah, le kill Le kill-9 euh, espace 1 Là à mon avis euh, ce truc là Vous fait quitter aussi euh, très rapidement Le, euh, le processus là, Regardez hop vous Voyez c'est sans risque vous pouvez le lancer euh... <coughs> Donc euh, le, euh, le... Donc Giant Dwarf, qu'est-ce qu'il nous pose comme question Il nous dit bah lorsqu'il y a un processus Parent qui est, euh, qui est kill Que se passe-t-il pour les processus enfants en fait, lorsqu'ils sont, euh... qu'est-ce qui se passe Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a un processus parent qui est quitté. Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc comme ça. Je vais utiliser un scanf. Oh, attendez. Ah oui. Donc, au moment où j'ai... Deux petites secondes. Je, je réfléchis, j'ai pris des notes. Mais euh, mes notes, elles vont beaucoup plus loin, en fait, que ce que je voudrais. Donc, je voudrais faire un truc à, à l'intermédiaire. Donc, au moment où je fais fork, qu'est-ce qui se passe euh, Donc, le PID, il vaut pourcentage D. Get PID, il vaut Et get. Donc en fait, ce que j'essaye de faire ici, c'est ça. Et get. Donc j'ai fait un programme, j'ai fait un programme qui va demander à se dupliquer en mémoire en utilisant l'appel à fork. L'appel à fork, fork, qu'est-ce que ça me renvoie Vous voyez que fork, qu'est-ce que ça renvoie Ça renvoie un pid. Un pid, c'est ni plus ni moins qu'un entier. Donc euh, fork me crée un nouveau processus en me renvoyant un PID. Et ce que je vais faire là, dans un premier temps, c'est afficher bah, finalement qu'est-ce qu est qui m'a renvoyé ce fork. Et puis, quelle est la valeur de l'appel à la fonction getPID et getPPID. GetPID, ça renvoie le PID du programme en cours d'exécution. GetPPID, ça renvoie le, pro le PID du parent de ce processus. Donc, lançons tout ça. Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Donc ici, euh, j'ai eu deux lignes, donc bien évidemment j'ai deux lignes, mais elles sont un peu différentes. La première ligne, j'ai un PID qui vaut 0, en disant que donc, le fork a renvoyé 0 comme réponse. En revanche, le getPID, il me dit que c'est 303 et que mon parent, c'est 302. En revanche, a, sur l'autre exécution, on me dit que mon PID, le PID que ça a renvoyé, c'est 303. Mon PID à moi, c'est 302. Et mon PID parent, c'est 1. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on a euh, toutes ces petites différences-là Ce qu'il faut noter ici, c'est que bah, le processus parent, manifestement, c'était le 302. Donc le processus parent, c'était le 302. Il a été créé à partir du process ID 1. Ce processus parent, il a créé le processus avec le PID 301. Et lorsqu'on est dans l'enfant, bah, en fait, Fork, il renvoie 0. Donc. Quelque chose à se souvenir, c'est que fork, il va renvoyer une valeur différente au processus parent et au processus enfant. Le processus enfant, pour savoir que c'est je suis l'enfant, eh ben, j'ai un 0. Donc if PID égale 0, là je vais pouvoir afficher I'm the child process. Okay. Donc si je fais ça, hop un the child process alors je relance donc ici il me dit alors attendez je vais peut-être virer les retours à la ligne en fait ils sont pas très intéressants comme ça on a bien tout sur notre truc donc vous voyez ici ça affiche le parent et l'enfant, pas forcément toujours dans cet ordre-là. Des fois, ça affiche les parents, des fois, ça affiche l'enfant. Bon, on s'en fiche. Donc, en fait, dans le processus parent, ce qui est intéressant, c'est que le résultat de fork nous renvoie le PID de l'enfant qu'on vient de créer. Donc, c'est très intéressant. Comme ça, le parent, il sait, euh, il connaît le PID de l'enfant qui va être créé parce qu'on va en avoir besoin un peu plus tard. Sinon, bah, le parent, il peut toujours se renseigner sur son propre PID et sur le PID de son parent. Et puis. Le processus de l'enfant, lui, le fork lui renvoie zéro. Pourquoi est-ce que ça lui renvoie zéro Ça lui permet de savoir qu'en fait, ce n'est pas le processus parent, que là, on est dans le processus enfant, et, il a pas et fork n'a pas besoin de lui renvoyer son propre PID, parce que justement, on a la fonction getPID qui est capable de nous dire notre propre PID à nous. Donc, quelque chose à retenir, c'est que lorsqu'on fait fork, est-ce qu'on a récupéré un PID qui vaut 0 Alors à ce moment-là, on est dans le processus enfant, et là, on fait les manipulations qu'on a à faire. Ou alors, on a reçu un processus ID qui est différent de zéro. Alors, à ce moment-là, le parent, il connaît le PID de son enfant pour pouvoir le surveiller et le gérer euh, après coup. Voilà, le parent connaît son enfant comme dans toute bonne relation parentale. Là où l'enfant, lui, il est là, il ne connaît rien, il apprend à découvrir son monde tout seul. Et euh, le parent euh, doit le surveiller et être bienveillant avec lui. Exactement. Donc... <laughs> Uh, Bastrop, uh, t'entends des choses Pas de ça ici, s'il te plaît. Uh, va, uh, va lancer tes, uh, tes, uh, tes, 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 tes trucs un peu plus loin. Quoi. Moi, mon père est parti acheter des clopes il y a 16 ans. Mais bah, écoute. Donc. Euh, donc, non, euh, donc, je reprends un petit peu mes esprits. Alors, donc on s'est dit le processus, ce qu'on voudrait faire, c'est de voir un peu comment ça se passe là-dedans. Donc, euh, qu'est-ce que j'avais préparé Donc, je vais faire un petit programme. Et mon programme, c'est je vais juste faire un écho. Donc, un programme écho, c'est quoi C'est genre, euh, ça affiche dans la sortie console ce qu'on rentre dans. Non, mais vous savez quoi Je vais même pas mettre d'écho. Je fais un truc comme ça. Je vais mettre un read ici. 1 euh, char c donc là je vais faire un while un read alors attendez read qu'est ce qu'il faut inclure man read là je vais juste faire un programme qui ne quitte pas donc c'est un programme qui va uniquement lire dans l'entrée dans standard des choses donc, std in std et in c'est 1. Donc, vous voyez, là, je fais un while 1, je suis toujours en train de lire sur l'entrée standard. Et puis, là, pareil, est-ce que je fais la même chose pour les deux Oui. Bon, vous savez quoi En fait, ce truc, je vais le mettre là. Voilà. Donc regardez un peu ce qui se passe. Donc là, j'ai un petit peu adapté mon, mon programme. Donc, qu'est-ce qui se passe Le fork, donc je fork mon processus. L'enfant il va dire je suis l'enfant le parent il va dire je suis le parent. Et les deux programmes, une fois qu'ils arrivent ligne 18, ils vont sans cesse lire dans l'entrée standard. D'accord Donc a priori, on ne va jamais quitter ce, euh, ce truc-là. Donc là, si je lance ça, vous voyez que on a notre programme qui est en cours d'exécution. Ici, je vais lancer un stop, ⁇ t ⁇ Et vous voyez que là, j'ai un programme first qui a lancé un deuxième programme first. Donc vous voyez que le processus parent, euh, il a bien l'ID 404. Il a créé un processus enfant qui a l'ID 405. Et le processus 405, bah, il a bien comme parent 404. Donc c'est à peu près ce qu'on voit ici. Donc là, si ça, je kill ça. Donc euh, je fais K9. Entrée. Ça a kill. Non, ça l'a pas kill. K. Non, ça va kill ça. Ok. Alors je comprends pas pourquoi l'enfant il sait pas, il sait pas kill. Alors attendez. Donc là je vais essayer. Donc. Ps. Alors pour voir la, la vue arborescente sous euh, sous Linux avec ps, c'est ps avec le f. Donc vous voyez que là j'ai bien mon first le 623 qui est un enfant 624 donc si je fais kill-9 624 donc j'essaye de tuer l'enfant vous voyez que j'ai tué l'enfant pourtant euh, l'enfant il me met un truc un peu bizarre quoi c'est l'enfant il est là mais il est pas très là il est en mode defunk on verra un peu plus tard ce que c'est par contre si je kill le 623 et que je refais un PSOX vous voyez que là j'ai plus ni l'enfant ni le parent en revanche, si je relance un peu mon truc, et si là, cette fois-ci, je tue le parent en premier, donc euh, de la littérature entre tuer les enfants et tuer les parents, on est, on est bien là, vous voyez que lorsque je tue le parent, <laughs> directement, ça a tué les deux processus, ça a tué et le parent et l'enfant. Pourquoi est-ce que ça a tué les deux processus C'est parce que bah, le parent, lui, on lui a demandé de se tuer, mais euh, un parent, lorsqu'il est tué, il envoie un signal aux enfants et le signal qu'il envoie c'est le signal sig up hang up c'est le sig hang up donc c'est euh, sig hup donc ce qu'on va voir on va regarder comment est ce qu'on peut pour pour empêcher que euh, l'enfant ne meure euh, des blessures euh, de, euh, de ses parents alors on peut utiliser un, sig un signal handler alors ça vous savez le faire donc essayons de capturer ça. Essayons, pardon, de capturer ça. Donc là, je suis dans l'enfant. Je suis dans le processus enfant pour Bastroc. Euh, et puis, je vais lui demander au processus enfant de capturer ce, ce signal. Merci pour le sub Warsoft. Euh, hop, handler. Ok. Et puis là, je vais lui dire if s est égal à sig up. Um, I'm not dead. Et puis en plus, c'est un ouf. I not, ça veut rien dire ça, I not. C'est I'm not. Ok. Non, j'ai I will survive. Je pense que c'est encore mieux. Donc, regardons un peu ce qui se passe. Donc, j'ai lancé ces, euh, ces deux choses-là. Je regarde ici ce qui se passe. Donc là, si je kill le 662, donc le parent... Ben, ça n'a pas marché. <laughs> Pourquoi ça n'a pas marché Qu'est-ce que c'est que ce bazar Qu'est-ce que c'est que ce bazar Tellement d'orphelins. Ah oui, oui, non, je sais. Ça a marché en fait. Vous voyez que le 663, oui, non, mais pardon. Vous voyez que le 663, en fait, il a fonctionné, mais euh, il n'a pas, euh, pas affiché le, le, le texte dans la sortie console, parce qu'en fait, comme le parent, il est mort. Et eh ben, l'enfant il n'a pas eu le temps d'afficher ce truc dans, dans la sortie console. En revanche, vous voyez que l'enfant il est toujours vivant. Et il est vivant, mais c'est juste que son nouveau parent maintenant, c'est le process ID1. Et là, j'ai plus trop la main dessus en fait. Donc, on peut se retrouver avec des enfants qui deviennent orphelins. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leurs parents, mais euh, lors de l'accident, ils ont réussi à survivre. Et euh, en survivant, bah, c'est euh, le, le processus ID1 qui finalement récupère tous les orphelins. Pourquoi bah, Parce qu'il faut bien qu'un processus, ait est un parent, donc euh, le processus ID1, on sait qu'il est toujours vivant, et puis euh, lorsque le système d'exploitation en fait, il va s'éteindre, ben, le processus parent, le processus ID1, lui, il va s'occuper de euh, détruire tous les autres processus euh, lorsque, euh, lorsque, euh, lorsque le système d'exploitation redémarre ou s'arrête. Donc euh, là, si je fais un kill, moins 9, euh, 634 et 663, voilà, j'ai fini par les enlever. Donc voilà déjà dans un premier temps, un processus peut en créer un deuxième. Lorsque ce processus crée un deuxième, on récupère un PID. Si ce PID il vaut 0, bah là je sais que dans la suite du programme, je suis dans le cadre de l'exécution d'un processus enfant. Comme ça on fait une belle phrase et il euh, n'y a pas de sous-entendu. Ou alors le processus ID est différent de 0. Alors à ce moment-là, je suis dans le cadre de l'exécution du processus parent. Et en plus, je connais l'identifiant du processus de l'enfant qui vient d'être créé. Donc, voilà un peu déjà sur les processus, euh, leur création et comment est-ce qu'ils peuvent devenir orphelins. Maintenant, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a un processus qui peut devenir, euh, qui peut devenir euh, zombie. Alors, souvenez-vous de ce qu'on a fait pour voir ça. Donc, lorsque je, je suis là et que je regarde un peu ce qui est créé, si je kill directement le processus enfant, le 674, et que je regarde ici, et bien vous voyez que le processus finalement, euh, il n'est pas vraiment arrêté en fait. Euh, il est toujours en cours d'exécution, mais il est dans une forme qu'on appelle zombie. C'est-à-dire que... Euh, il a, il, il, on, les ressources qui lui ont été allouées en mémoire ne sont pas encore libérées. Pour qu'elle puisse être libérée, il faut vraiment que le parent quitte. Par exemple, si je quitte le parent, hop, non, le 673, 673, et eh ben là, là on, est bien, on a bien réussi à quitter. En fait, pourquoi C'est que lorsqu'il y a un processus qui s'arrête, le processus-parent, lui, il doit le savoir pour pouvoir gérer un peu cette affaire. Donc, pour que le, le parent puisse gérer cette affaire, on est obligé de faire appel à une fonction qui s'appelle wait. Alors, mettons-la ici par exemple. Man wait. OK. Donc pour utiliser wait, ici. Alors attendez, le type, ça, j'en ai pas besoin. Ce que je vais faire, c'est que la boucle de read, je vais la mettre dans le processus enfant. Et le parent, lui, il va juste attendre. Il va juste attendre que l'un de ses enfants quitte. Donc relançons un peu notre affaire. Hop. Vous voyez que le processus parent... Alors attendez. Euh euh, Donne. Ok, chaîne… Donc, je relance. Donc, vous voyez que là, qu'est-ce qui se passe Donc, je reviens à ce qu'on est en train de dire. Le processus enfant, lui, au moment de s'exécuter, il affiche une petite phrase et il attend, il est en boucle infinie sur, le, sur de la lecture, sur de l'entrée standard. Et puis, le processus parent, lui, il a mis aussi son petit affichage, mais par contre, il est en attente. Et il est en attente de quoi En fait, le wait, ça va nous permettre de bloquer le code à cet endroit-là jusqu'à ce que l'un de ces processus enfants soit terminé. Donc là, si j'affiche ça, et que je kill l'un des enfants, donc là, en l'occurrence, j'en ai qu'un seul, mais je pourrais en avoir plusieurs, si je lance ça, et eh bien en fait, qu'est-ce qui s'est passé Wait, c'est terminé, et puis, euh, le parent, il, il a été alerté sur le fait qu'il y a un autre processus qui a quitté, et euh, donc du coup, il a pu faire ce qu'il avait besoin de faire. Alors attendez, je vais redéplacer ça ici. Je me suis trompé. Pourquoi est-ce que mon wait m'a mis donne directement ici Non. Je vais faire ça. Et je vais faire ça. Voilà. Ok. Alors, donc là, je lance un processus parent, un processus enfant. Les deux, le, le processus enfant, lui, il est dans une boucle while et le processus parent, il rentrera dans cette boucle while seulement quand l'un des processus enfants partira. Donc là, je réaffiche mes trucs et là, si je kill le, 600, le 746, donc le processus enfant, vous voyez, lorsque je refais un PS, cette fois-ci, le processus enfant, il est plus marqué comme étant zombie. Pourquoi est-ce qu'il est plus marqué comme étant zombie C'est parce que justement, on a notre ligne 29 qui a attendu. Qu'un de ces processus enfants se termine pour pouvoir libérer euh, tous les espaces euh, mémoire qui sont alloués à ce processus-là et, euh, et finalement finir de faire euh, ce que le processus parent avait prévu de faire, donc à savoir euh, la boucle la boucle infinie. Donc en fait, ce que vous devez retenir, c'est que un processus parent, lorsqu'il meurt, le processus enfant meurt avec lui parce qu'on lui envoie un signal SIGUP. Le processus enfant, il peut continuer de rester vivant. Si jamais il catch ce signal SIGUP pour faire des choses. Donc, ça, ça peut être intéressant euh, parce que vous avez un processus qui a besoin de sauvegarder des fichiers euh, à droite à gauche de ce cours d'exécution. Et si le parent en plante, bah, le processus enfant, il a envie de continuer de sauvegarder ses fichiers au cas où euh, le parent puisse planter. Donc, ça, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. En revanche, un processus enfant, s'il est quitté sans que le parent le sache, alors à ce moment-là, toute la zone mémoire qui était allouée à ce processus enfant n'est libérée qu'au moment où le parent quitte. Ou alors, il faut signaler aux parents que l'enfant a quitté grâce à une méthode qui s'appelle wait. Mais ce qui peut être intéressant à l'aide de la méthode wait, c'est qu'on peut récupérer des informations bien plus, euh, bien plus euh, intéressantes que tout ça. Donc, je vais vous faire un autre exemple là-dessus. Donc, ici, euh, à la place de ça, je vais peut-être utiliser Sleep en fait plutôt. Je regarde un peu mes notes. Donc là, je vais faire un slip. Donc, là, j'ai un processus enfant qui, lui, va juste euh, s'endormir pendant euh, 1000 secondes. Donc autant vous dire qu'on euh, ne va jamais le voir euh, se réveiller. Alors attendez. Hop. Ici, on est là. Voilà. Et ici, je vais utiliser une variante. Une variante de, euh, de wait qui s'appelle waitPID. Donc cette fois-ci, au lieu d'attendre qu'un processus enfant se termine, je vais attendre qu'un processus en particulier se termine. Donc waitPID. Donc waitPID, ça prend euh, un PID. Donc le processus de l'enfant, on a besoin d'entendre, plus un pointeur sur une variable entière qu'on va renseigner, plus des options. Pour l'instant, on met 0. Donc le waitPID, qu'est-ce qu'il va faire Il va attendre que le processus dont l'identifiant est le PID, donc ce fils-là, il va attendre qu'il se termine et on va pouvoir afficher des informations qui y sont liées. Donc des informations qui y sont liées, si on regarde un petit peu, man wait PID, hop, vous regardez que, <coughs> vous voyez que, pardon, vous voyez que le, 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 le statut, là, s'il est renseigné, et eh bien en fait, on va pouvoir l'interroger. On va l'interroger en utilisant ce qu'on appelle des macros. Donc on va pouvoir savoir si le processus enfant a été quitté normalement, si le processus enfant il a été quitté en utilisant un statut en particulier, si le processus enfant euh, il a été kill, s'il a été kill, est-ce qu'il y a eu un core dump, etc. etc. Donc, essayons d'afficher un peu toutes ces informations-là. Ça, ce truc-là, vraiment, essayez de retenir ce qu'on peut faire du YPID derrière. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc ici je vais mettre un printf donc le weight machin status euh, pourcentage s donc ici je vais vérifier est ce que on a sorti l'idée c'est de savoir est ce que le programme a quitté euh, normalement ou est-ce qu'il a été kill s'il a quitté normalement je vais j'ai envie de savoir est-ce que... Donc le exit status, ça, ça nous renvoie un entier. Je veux savoir quelle est la valeur de retour de ce programme-là lorsqu'il a été quitté. Est-ce qu'il a été quitté en utilisant un signal Hop, oh, pardon. Est-ce que lorsqu'il a été quitté en utilisant un signal, quel était ce signal alors attendez, euh, non non non. Ok, donc ça c'est le numéro du signal qui a été utilisé. Est-ce que il y a eu un core dump Ça vous allez voir un peu après ce que ça donne. Donc ça ça renvoie un booléen. Ça, ça renvoie aussi un booléen. Ça, the number, donc ça, ça renvoie un entier. Pour vous, ça va être un petit peu cryptique là dans un premier temps, mais euh, laissez-moi terminer et on va regarder ensemble ce que ça donne tout ça. Et ça, ça renvoie un boulet. Ok. Donc je vais recompiler tout ça. Et ici, je vais mettre in status. Ok. Et je vais renvoyer ce truc là. Alors, euh, je vais renvoyer ce truc-là. Déjà, dans un premier temps, pardon, je vais commenter ce truc. GAL 84. Donc, regardez un peu ce qui se passe. Donc là, j'ai un, un processus qui va... Alors, attendez. Je regarde un peu les, les, les commentaires parce qu'il y a pas mal de commentaires qui ont été mis. Non, 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 non. C'est pas la bonne syntaxe ça. Bon, je vais voir. Euh, je me suis trompé dans mes... Ah bah oui. Je me suis trompé. Bien C'est pour ça que c'était sur surligné, je ne le voyais pas. Et puis tout à l'heure, je me suis dit, c'est bizarre le fait que ce soit surligné comme ça. Hop. Bon, là, ça m'a fait de l'indentation automatique ici. Bon, peu importe. Ok. Donc... Euh... Donc regardez un peu ce qu'on qu essaye de faire. Donc là j'ai un programme, d'accord, qui va euh, se dupliquer en mémoire. Dans le programme enfant, on va fixer le statut à 84. On va afficher coucou, je suis l'enfant. Et puis, là vous voyez, là il ne se passe rien. Et puis je vais retourner ce statut. Donc l'enfant, il va return 84. Alors que le parent, lui, il va dire coucou, je suis le parent. Il va attendre que l'enfant se termine. Et puis, il va afficher des informations concernant la terminaison, la, la, la façon dont l'enfant s'est terminé, le, le processus enfant s'est terminé. Donc, je compile et je lance. Et je claire. Comme ça. Il me dit que le clair, ça n'existe pas. Il me dit que j'ai des erreurs de compilation à droite, à gauche. Le wait if stop. Alors, ce n'est pas wait PID, bien évidemment c'est euh, comment c'est quoi c'est contrôle L c'est W status pardon voilà donc regardez un peu ce qui se passe donc le parent il a dit coucou je suis le parent l'enfant il a dit coucou je suis l'enfant bon ça on le sait mais à un moment donné l'enfant s'est terminé et il s'est terminé en envoyant un Exist 80 euh, en, en en renvoyant 84 va voilà, regardez ce qui se passe et bien là, en fait, en analysant le comment l'enfant s'est sorti, on arrive à avoir des informations assez pertinentes. Est-ce que l'enfant est sorti correctement du programme Oui, il est sorti correctement du programme. Il n'est pas sorti parce qu'on l'a kill, parce que ça a planté, parce qu'il a reçu un signal, parce que j'en sais rien. Non, il est sorti convenablement. Et lorsqu'il est sorti, il nous a envoyé 84. Est-ce qu'il a reçu un signal Non. Bah, du coup, le signal qu'il a reçu, c'est zéro. Il faut pas en prendre compte. Est-ce qu'il y a eu un core dump On va voir un peu plus tard ce que ça fait. Est-ce qu'il a été stoppé machin Et Le fait qu'il ait été stoppé, on ne prend cette valeur que si. Cette valeur, elle, elle n'est correcte que si ça, c'est true. Et cette valeur n'est intéressante que si ça, c'est true. Ça, c'est expliqué dans le manuel. Donc, on vous dit le programme s'est quitté normalement. En quittant, il a affiché un 84. Merci Wardat pour ton follow. Il a quitté en renvoyant 84. Il n'a pas quitté grâce à un signal. Il n'y a pas eu de cord dump, il n'a pas été stoppé. Et puis, euh, là, le if continue, if c'est continue, quelque chose qu'on ne va pas voir euh, cette année. Grosso modo, le signal qui a été continué, ça veut dire que est-ce que c'est un signal qui a été stoppé, typiquement par un debugger, et qui a été amené à se relancer Donc, le if continue, celui-là, je ne vais pas l'utiliser. Ces deux trucs-là, on ne va pas les utiliser parce qu'on ne va pas en avoir besoin, vous allez pas le voir cette année. Donc, je relance. Est-ce que le programme a quitté correctement Oui. En utilisant 84, il n'a pas reçu de signal et il n'a pas coordonné quelque chose. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de me dire, bah moi, j'ai envie de lui faire un slip. Donc, je relance. Vous voyez que là, le programme enfant, lui, il va s'endormir pendant euh, 100 secondes. Donc, euh, quasiment pendant 20 minutes. Bah, pendant ces 20 minutes-là, le parent, lui, euh, il, est, il reste bloqué ligne 21 parce que tant qu'il n'y a pas ce, euh, cet enfant qui se termine, il ne pourra rien en faire. Pourquoi est-ce que j'essaye de faire ça bah, Typiquement, moi ce qui va être intéressant, c'est que j'ai envie d'envoyer un signal à l'enfant. J'ai envie de lui dire, eh hey, mon petit gars, je vais lui envoyer un tiré moins 9 dans la tête. Tac. Bam. Regardez ce qui s'est passé. Et eh bien là, est-ce que le programme s'est quitté correctement Bah non, il a été, euh, il a été sick kill. Bah, est-ce qu'il euh, est, qu est quitté grâce à un signal Oui. Quel est le signal qu'il a euh, quitter, bah c'est euh, le signal numéro 9. Et est-ce qu'il y a eu un core dump Non. Regardez un autre truc qu'on peut faire. Donc là, je vais faire un programme qui va attendre 5 secondes. Et ce programme, il va... Euh, on va le quitter grâce à un segfault. Donc par exemple, j'ai euh, un entier euh, value. J'ai un pointeur. Okay, qui pointe sur nul. Et typiquement... Donc c'est un pointeur sur entier. Et typiquement... Euh, bah, dans ptr crochet 1 je vais mettre 0 donc bien évidemment comme l'entier comme euh, mon pointeur il pointe sur nul bah, je peux pas écrire à cette adresse là en mémoire voilà, hop, je vais le déréférencer ici je ne peux pas l'écrire à cet endroit là en mémoire donc là typiquement lorsque je vais arriver ligne 17 bah, le programme lui il va me dire euh, il, va, il va planter en fait regardez ce qui se passe donc je lance, on attend 5 secondes et au bout de 5 secondes, le processus enfant, tac, bon là j'ai mon sanitize address qui, qui est arrivé, et eh ben en fait il me dit est-ce que le programme a quitté Alors attendez, c'est parce que j'utilise sanitize address et sanitize address il fait il override un peu ce que j'essaye de faire. Donc on ne va pas attendre 5 secondes, on va attendre 2 secondes. Hop, une, deux, tac. Est-ce que le programme a quitté correctement Non. Est-ce qu'il a quitté à cause d'un signal Oui. Quel était ce signal C'est le signal 11. Le signal 11, alors j'ai trouvé un truc. Si vous installez un package... Alors attendez. I. E point. Alors, ce truc, je l'ai trouvé hier. Si vous installez un package qui s'appelle MoreUtils. Ok. MoreUtils, il est intéressant ce truc. Pourquoi Parce que ça me dit c'est quoi... Euh... Ah non raconte des conneries, <laughs> désolé. Bon, je vous, euh, on verra plus tard euh, ce que c'est Moritz. Donc le signal 11, lequel c'est Là il me dit pas les signaux, c'est quoi Bon, peu importe. Le signal 11, c'est euh, c'est euh, Man Signal. Peut-être sous Mac, ça me le dit. Ce que c'est, le signal 11. Le signal 11, vous voyez que c'est le Six Serve. C'est le Man Set. Man Set Signal cette signal, 11 il est où Ok, bien joué. Donc, vous voyez que j'ai bien quitté mon truc à cause d'un six serve. Et puis, je vous le dis au cas où, lorsque... Alors attendez, ça, je l'ai noté aussi quelque part, parce que c'est un truc, à l'époque, ça le faisait tout le temps, maintenant, ça ne le fait plus. Si vous faites... Alors attendez, 1, 2, 3, parce que je, re... je suis en train de regarder mes notes. 1, 2, deux... OK. Euh, à l'époque quand j'étais jeune et que j'avais pas de cheveux blancs, eh ben, il y avait des euh, des euh, des cordes qui étaient lancés 1 2 3 4 OK. Donc si je relance tout ça Eh ben, vous voyez que par défaut, en fait, euh, donc là, ULimit, lorsqu'on met un U limit euh, avec un grand nombre, bon, vous verrez un peu de votre côté le pourquoi du comment et à quoi sert ce truc. Lorsqu'on fixe le ULimit, qu'est-ce qui se passe Lorsqu'un programme plante, eh ben, il va générer ce qu'on appelle un core dump. Donc là, vous voyez que j'ai mon programme, il ne s'est pas quitté correctement, il s'est quitté à cause d'un signal, le signal était le signal 11, et est-ce que ça a généré un core dump Oui. Et le core dump, en fait, qu'est-ce que c'est C'est un petit fichier, là, qui s'appelle core. Et qui contient euh, l'état de la mémoire au moment où le programme a planté. Et ça, ça peut être très intéressant à utiliser avec des outils comme GDB pour comprendre comment, pourquoi un, un programme a planté. Ça, en fait, euh, c'est souvent des, des administrateurs réseau qui ont besoin d'avoir cette information-là. Par exemple, vous êtes en train d'administrer un parc de machines dans lequel il y a des serveurs qui tournent, etc. Et puis, euh, vous avez un serveur HTTP, Apache ou NG, Nginx ou j'en sais rien, qui est en train de tourner. Donc là, c'est sur le réseau de l'entreprise, etc. Et, tout. et vous avez ce serveur qui a planté. Et au moment où il a planté, vous aimeriez savoir pourquoi est-ce qu'il a planté, à quel endroit il a planté, qu'est-ce qui s'est passé au moment de son plantage, dans quel état se trouvait la mémoire au moment de son plantage. Ça, ça peut être très intéressant à savoir pour essayer de comprendre d'où vient ce plantage. Est-ce que c'est une erreur dans le code Est-ce que ce sont des pirates qui se sont amusés à hacker un peu ce serveur en l'attaquant Qu'est-ce qui s'est passé en fait Dans quel état était la mémoire à ce moment-là Ça peut être très utile pour comprendre l'origine d'un plantage et pour pouvoir le fixer, en tout cas euh, employer des remèdes euh, pour ce truc-là. Donc, je, je, il y a quelques années, c'était systématique. On avait systématiquement un core qui était généré au moment d'un plantage sous euh, sous Unix. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Et donc, pour le réactiver, voilà, voilà la commande que j'ai trouvée. Donc, c'est ulimit espace-c espace. Et là, vous mettez 10 fois le nombre 9. Et voilà. Mais je n'ai pas essayé de creuser plus en détail le pourquoi du comment. Mais euh, si ça vous intéresse, vous pourrez le, le, le savoir. Quoi. Donc là, maintenant, on sait comment est-ce qu'un programme euh, se lance. Lorsqu'un programme, lorsqu'il se lance, on sait euh, ce qu'il... Qu euh, on sait différencier le programme enfant du programme parent. On sait que le programme enfant lorsqu'il se termine, il faut pouvoir le signaler au programme parent pour pas que ce programme enfant devienne un zombie. Pour que le programme parent puisse savoir qu'un enfant se termine, bah, on a besoin d'utiliser une fonction qui s'appelle wait quelque chose. Et euh, le programme parent, lorsqu'il se quitte, forcément les programmes enfants euh, reçoivent le signal euh, sing-hang-up euh, sing et euh, ils, peuvent ne, ils peuvent empêcher leur, leur, leur terminaison en catchant ce signal, en faisant des choses. Donc voilà un peu déjà tout ce qu'on sait faire. Donc maintenant, il nous manque un dernier truc. Le dernier truc, c'est quoi Parce que je vous signale l'objectif, et on va s'arrêter là, donc on a encore pendant 5-10 minutes. L'objectif, c'est d'avoir, euh, comment dire, c'est de, de réaliser un petit shell. Et ce petit shell, c'est quoi C'est ni plus ni moins qu'un programme qui va démarrer un deuxième programme et lui demander euh, d'exécuter la commande qu'on souhaite avoir. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de me dire, bah dans le programme enfant, ce que j'ai envie de lancer, c'est peut-être LS, ou c'est peut-être euh, Find, ou c'est peut-être Imax. Je n'ai pas envie de lancer... Euh... Et puis, c'est un programme qui existe sur la machine. Vous voyez que là, ça peut être intéressant pour lancer un autre algorithme que je rédige. Mais on est souvent dans la situation où le programme qu'on a envie de lancer, il existe déjà dans la machine. Et en fait, il existe quelque chose euh, dans, les, dans, les, dans les commandes euh, Unix qui sont souvent liées à Fork. Et il existe une commande qui s'appelle exec quelque chose. Donc. Donc ces commandes-là, exec l, exec lp, lve, v, LV, machin, toute cette série de commandes, en fait, elles font quoi Elles vont aller charger un binaire en mémoire et elles remplacent le programme en cours d'exécution par ce binaire-là. Alors voyons voir déjà dans un premier temps ce que ça donne. exec.c. Donc, je vais... Alors attendez, tous les headers, là, ceux-là, je vais les remettre ici parce qu'on va en avoir besoin. Donc là, j'ai mon printf hello, hello world. Et return. Hop. Donc je relance mon exec. Tirer au exec. Ok. Donc, là, j'ai mon bet Hello World. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est utiliser la fonction exacte. Alors, vous, vous verrez que dans les prototypes de la fonction exacte, il y a plein de trucs. Là, vous voyez, je vais les mettre ici. Je vais les mettre en commentaire les uns en dessous des autres pour que vous compreniez un peu pourquoi est-ce que ces noms s'appellent comme ça. Hop. Alors, vous voyez que dans les execs... dans les execs on a soit des l soit des v suivis de p et ou e alors qu'est-ce que ça fait c'est que les execs qui sont les execs avec des l ils attendent une liste d'arguments alors que là ils attendent un vecteur d'arguments en deuxième paramètre on va voir ce que c'est ce et puis le P, ça va vous permettre de savoir si l'exécutable qu'on lance, est-ce qu'il va aller le chercher dans le pass ou pas dans le pass. Et puis le E, c'est est-ce qu'on transmet la variable, les variables d'environnement. Donc nous, ce qui va nous intéresser, dans un premier temps, je vais utiliser execl. execl, en fait, qu'est-ce que ça fait Si je fais execl, et là, je lui donne, je lui dis, je veux que tu me lances ls-l-la. OK Donc, on regarde execl, ça prend le nom euh, lp. Je vais faire lp. Donc, tiret execlp, ça nous dit quel est le nom de la commande que j'essaye d'envoyer, suivi de la liste des arguments que je veux passer à cette commande-là, suivi forcément d'un de, de, nul. Et puis, ça va me renvoyer une valeur, et euh, voilà. Donc, je vais renvoyer directement ce truc-là. Lançons-le. Vous voyez que là, ça m'a affiché. Alors, tirer l, a. Non, ça m'a pas affiché tirer l, tirer a. Ça, c'est bien ça Pourquoi ça ne me fait pas tirer l C'est vrai que je ne comprends pas. Exec l. Attendez. Je vais mettre exec lp. Où est-ce qu'il se trouve Which ls user bin ls. Ok. Je vais mettre tout le chemin, pardon. Pourquoi ça ne me fait pas tirer L C'est ça que je comprends. Ok, bon. Grand, grand mystère. Ah, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui. Voilà, pardon. Donc, en fait, là... Je dois lancer le exec, et en fait, pour lancer le exec, je dois lui dire où se trouve le, le, le binaire que j'essaye d'exécuter. Et le binaire que j'essaye d'exécuter euh, derrière. Alors attendez, return 0, pardon. Donc, je dois lui dire où se trouve le binaire que j'essaye d'exécuter, et puis après, derrière, je dois construire le arc V que ce binaire va recevoir en amont. Donc vous vous souvenez, dans ArcV, bah, le premier c'est le nom du binaire, et puis le deuxième, ce soit, enfin deuxième, troisième, etc. Ce sont les listes des arguments. Donc je peux utiliser execL comme ça, mais je pourrais aussi utiliser execV. Donc un équivalent de execL, c'est ça. Ce serait un truc du style. Et donc ArcV ici, et ArcV, comment est-ce que je m'en sors Char, euh, char, ArcV, crochet 3. Donc dans arcv 0 je lui mets ls l-a. Ça je commande ce truc. Je vais le mettre ailleurs. Oh là, pardon. Pardon, pardon, pardon. Ça je vais le supprimer, je vais le mettre ici. Voilà. Donc. Je vais, je vais me créer mon argv et je vais dire à exec, je vais dire ce binaire qui a sur le disque dur, lance-le et au moment où tu lui lances, les qu'on va lui passer, c'est tout ça. Donc vous voyez, hop, ça n'a pas fonctionné. ExecV, ça prend quoi ce machin, ok. Ah, c'est des étoiles, bien sûr. Voilà. Oui, merci euh, Guismus, euh, merci pour le, la vigilance. Bafico aussi, désolé. Donc j'ai construit mon tableau d'arguments. Mon tableau d'arguments, donc c'est un tableau de chaîne de caractères. Dans cette chaîne de caractères, je remplis euh, ce que vont être les argv1, v 2 argv3, v 0 etc. Et puis je demande au système d'exploitation de remplacer. Donc là, je suis en train d'exécuter un code et ce code, je vais demander au système d'exploitation remplace en mémoire l'image de ce processus. Donc l'image de exec remplace en mémoire par l'image de LS, mais en lui fixant ça comme argument à lancer. C'est la raison pour laquelle j'ai mon Hello qui est suivi directement de, euh, euh, de, euh, de l'affichage de LS. Et regardez ce qui se passe lorsque je vais faire ça. Si je déplace mon printf ici, regardez ce qui se passe. Et ben là, je l'ai plus en fait le printf. Pourquoi est-ce que je ne l'ai plus? C'est parce qu'au moment où je quitte la ligne 24, et ben le système d'exploitation a remplacé le contenu de mon programme, donc mon programme qui contient printf, par euh, le programme ls. Et dans le programme ls, bah, on n'a plus euh, le printf euh, qui est affiché derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais... Il se passe quoi si je fais ça bah, Je pense qu'il ne va rien se passer. Exact vp... Alors, c'était ça que tu voulais que... Ah euh, ah, très intéressant. Alors, exec V, on va le faire. Je, je pense que toi, tu veux, c'est ça. Exec. Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que le truc, il va faire n'importe quoi, je pense. Bah, ça va à boucle inf. Essayons-le. Si voilà. En fait, euh, je pense que c'est ça que tu voulais, Jarendorf. Bah en fait dia me dit qu'est ce qui se passe au moment où je lui dis bah remplace le programme par son programme en lui-même en le redémarrant donc en fait ça euh, ça va pas créer des nouveaux processus c'est comme un boucle while sur le mail en fait c'est comme si je rappelais le mail en permanence mais sauf que voilà là il est tout le temps en train de rappeler le mail et le execv en fait. Ce n'est pas en train de créer un nouveau processus, ça remplace le processus courant par le contenu d'un autre euh, programme. Donc euh, ça remplace le programme courant par lui-même, donc il est tout le temps en, en train d'appeler le mail. Bon, euh, je t'avouerai que je n'étais pas bien rassuré en lançant le truc, mais je m'étais dit que ça allait boucler euh, Donc euh... Donc heureusement que ça a été ça, <coughs> parce que sinon ça aurait pété le stream et ça aurait été un peu relou. Donc on est venu là. Donc là maintenant, on sait utiliser exec et on sait utiliser euh, fork. Bah, ce qui serait bien, c'est de mixer un peu les deux. Donc ce que je voudrais moi ici, c'est là, je vais faire un programme qui s'appelle Hello. Vous verrez un peu dans quelques instants le pourquoi du comment. Donc là, j'ai un programme qui s'appelle Hello qui fait juste un Hello World. Hop. Hop. C'était des yo. Et puis, ce que je voudrais, je vais copier mon first ici. Là. Donc vous vous souvenez un peu de, de ce qu'on avait là tout à l'heure. Et, 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 Donc là, je suis le processus enfant, machin. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que dans le processus enfant, j'ai mon, mon exec en fait là-dedans. Donc, ici, euh, ce que je voudrais, c'est euh, char étoile argv3, on va dire. Donc v 0 on dit que c'est ls. L-A. Bon, on va y mettre slash. Hop. comme ça on change un peu d'argument. Et là, je vais faire exec. Donc exact V. Donc exact VP. Là, je vais utiliser VP parce que je vais lui euh, demander de chercher dans le dans le, dans le, dans le pass les, euh, le, 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 le binaire LS. 0 Donc ici arc V tout court. Et ça, ça me renvoie un résultat. Plus. On va voir tout à l'heure pourquoi on a besoin de ça. Donc, je relance mon truc. OK. Alors, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi, pourquoi Pourquoi, 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 pourquoi Ah. Euh, vous voyez là, ici. Ça me dit que. Alors attendez. Ok. Vous euh, voyez que le processus... Alors attendez. Je ne vais pas utiliser P, parce que ça, je, je, je pensais que ça marcherait, mais euh, je n'utilise jamais P. Donc ça n'a pas fonctionné comme voulu. Ça ne marche pas. Pourquoi Tirer A. Ah. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée du pourquoi ça ne marche pas Et puis, en attendant, je vais regarder mes notes pour refaire le processus que j'avais déjà tout à l'heure. Donc, je vais virer les printf ici, on s'en fiche un petit peu. Ça, je vais virer ça aussi. Donc, essayons de revoir un peu ce qui se passe. Donc là, status, status, on vire, ça, on n'a pas besoin. Bon, si je vais le garder, le statut, j'en ai besoin en fait. J'ai besoin de lui pour un autre truc tout à l'heure. Donc là, j'ai mes Arc V. Mon v 0 je dis que c'est LS, puis v 1 puis v 2 A. AV3, nul. Mais j'en ai pas besoin du nul, mais euh, je vais essayer. Je vais suivre ton conseil. Je vais mettre nul. Parce qu'en réalité, c'est ça qui. Est, euh, en réalité, il faut vraiment faire ça en fait. Mais euh, c'est peut-être ça qui va nous sortir de la situation embarrassante dans laquelle je suis. Exactement, merci euh, Giant Dwarf. Donc effectivement, oui oui, il faut que euh, le tableau d'arguments qu'on lui donne, effectivement, il faut que le dernier soit nul pour qu'on puisse indiquer au système en fait euh, comment euh, on arrive à terminer la liste des arguments. Bien joué uh, Giant Dwarf, euh, le boss, le boss pour Giant Dwarf pipipip. ouah, merci. <laughs> tu nous as sauvé le stream là de ce matin quoi. <laughs> Facile. Alors, ça, je veux dire ça parce qu'on a dit qu'on n'en avait pas besoin. Euh, donc, regardez. J'ai lancé mon ls. Moi, bon, je ne vais pas faire un tirer l. Je vais faire tirer a et slash. Comme ça, on va avoir tout sur la même ligne. Donc, là, je fais un ls tirer a sur slash. Okay. Est-ce que le programme s'est terminé correctement Oui. Quelle était la terminaison Zéro. Est-ce qu'il y a eu un sick kill Est-ce qu'il y a eu machin Non. Donc, il euh, n'y a, y a, y a pas forcément. Euh, <laughs> Merci. Merci de ne pas me laisser me galérer tout seul. Quoi. Merci de votre mensuétude le lundi matin. Donc, est-ce que ça s'est terminé Oui, etc. Regardez un peu ce qui se passe. Imaginons que je mets un, un binaire qui n'existe pas. Boum. Et ben là... Euh... Si je dis que le statut c'est Erno... Alors attendez, oui. Si on fait man exec. 3. Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que, il nous dit que le, la valeur de retour, il me dit exact, ça renvoie moins 1 si jamais il y a une erreur, et l'erreur, elle est dans Ernaud. -no. Donc, si le statut if status égale moins 1, eh ben, je mets la valeur de Erno dans status et regardez un peu ce qui se passe. Donc, Erno, pour pouvoir l'utiliser, il faut include ce truc-là. Regardez, je le lance et il me dit bah, que ça n'a pas fonctionné. Enfin, euh, que, ça, que, ça, que ça, a sorti en, ça a sorti normalement, mais par contre, ça a fait un exist status de 2. Et si je regarde Erno 2, bah, il me dit que c'est un autre file or directory. Donc là, je suis capable de, de savoir que bah, j'ai lancé une commande qui n'existe pas. Regardez, si je tape cette commande-là directement dans mon shell, et bien vous voyez, il me dit no such file or directory. Donc vous voyez que ce message, j'arrive à le retrouver directement grâce au Erno. Pareil, si je lance un binaire, par exemple, ça, ça existe, mais ça n'est pas exécutable. Donc si je le lance ici. Bah, il me dit que c'est l'erreur numéro 13. Donc vous vous souvenez, là tout à l'heure, quand je vous ai dit installer un truc qui s'appelle MoreInfo, MoreInfo, ça me donne une commande qui s'appelle Erno. Et la commande qui s'appelle Erno, je lui donne le numéro d'erreur, je tape entrée, et il me dit Permission Denied. Et bien bah, en fait, ça veut dire que bah, je n'ai pas le droit d'exécuter. En fait, c'est pas j'ai pas le droit de charger en mémoire l'exécution d'un répertoire. Ça n'existe pas, en fait. Euh, à côté de ça, imaginons que mnt euh, exec. C. OK. Donc ce fichier, c'est un fichier texte. Si je le lance, hop, il me dit erreur numéro 13, erreur numéro 13, permission denied et si je lance ça directement, permission denied. Donc vous voyez que en fait, euh, les fois où exact ne marche pas, on est capable à l'aide de hernault de savoir pourquoi est-ce que ce lancement de programme n'a pas fonctionné. Parce que le fichier n'existe pas, parce qu'on n'a pas les droits en écriture, en, en exécution sur le programme, etc. etc. Donc, donc voilà le. Oui, mort utils, exactement. Alors attendez, là il y a quelques petites questions. Pourquoi repasser le ls en arg dans une commande ls C'est plutôt confus pour moi, désolé. Alors en fait, euh, chacalounet, euh, le truc c'est qu'il faut différencier le binaire qu'on va charger en mémoire de ce que, de ce que euh, on a envie de passer à, euh, à euh, ArcVRC. -Arc ArcVRC, ce qui reçoit c'est euh, comment expliquer ça euh, deux petites secondes J'essaye de trouver un exemple regarde si je fais un truc euh, ln sf de user bin ls dans toto regarde tu vois, j'ai utilisé un lien symbolique. J'ai utilisé le lien symbolique, donc j'ai lié symboliquement LS à Toto. D'accord Donc, si je regarde ça, vous voyez que Toto, il matche sur LS. Et lorsque je fais .slash Toto, eh ben, je suis capable de lister le contenu du répertoire parce qu'en fait, Toto, c'est un lien symbolique sur LS. Et eh bien, en fait, lorsque je suis dans cette situation-là, euh, qu'est-ce qui se passe Et eh bien, en fait, au moment où je fais ça... Et eh bien le, le terminal, mon terminal, la mon qu'est-ce qu'il va faire Il va faire un exec. Il va réussir à comprendre que Toto, c'est euh, un lien symbolique. Donc il va charger ça en mémoire. Par contre, il va renseigner ça en arc V1. Est-ce que c'est un peu plus clair? C'est-à-dire que lorsque je vais analyser ma ligne de commande, je vais vérifier que bah, mon premier argument c'est slash Toto, ok Slash Toto, je sais que c'est un lien symbolique. C'est un lien symbolique vers un fichier qui s'appelle userbin.ls. Donc c'est ce fichier-là que le execv euh, va, va charger en mémoire. En revanche, le argv0, on va maintenir le point slash Toto pour que euh, le ls puisse bien savoir quel était son argument au moment où on l'exécute. Donc c'est pour différencier euh, cette information qui est juste une information textuelle de cette information qui, cette information, elle, c'est vraiment où se trouve le chemin du fichier qu'on essaye d'exécuter. Ce sont des choses qui sont un peu différentes. Je sais que c'est un, un peu. Ça peut être un peu confus pour toi, chacun J'en conviens bien. La preuve, moi, tout à l'heure, j'ai même oublié de mettre l'arc V0. Euh, donc. Euh, donc, euh, voilà, quoi. Alors. Euh, J'espère que ça répond à ta question. Et. On est... Je regarde mes notes. Je crois que j'avais encore un truc à vous dire. Me semble. Ah oui, j'ai encore un dernier truc à vous dire. Donc là, on a exécuté notre truc là. Euh, ici, je peux dire par exemple mnt hello. Donc là, ici, mon mnt hello. Donc là, je vais, ex... je vais compiler mon hello aussi. Je vais en profiter pour compiler le hello. Hello.c-o hello ok et en fait ce que je vais faire, voyez que là donc ma commande euh, ici ok on s'en fiche hop donc voyez que là mon exec il va lancer le hello et le hello vous vous souvenez que mon hello c'est un Hello World. Mais par exemple, ce Hello World, donc là, lorsque je lance Hello World, hop, vous voyez que ça va bien... Donc vous voyez que mon programme exec a bien lancé le programme Hello World. Et puis, est-ce que ce programme s'est terminé correctement Oui. Euh, quel était son retour C'était 0. Là, si je le change en 84, bah, je suis capable de le savoir aussi. Hop, 84. Et puis, je suis aussi capable de traquer que j'ai un plantage. Donc, vous vous souvenez, là, euh, notre plantage, là, de tout à l'heure, si je fais ptr étoile ptr égale 0, là, vous voyez que là, ça a planté ligne 5. Et bien là, je suis capable de voir, ok, euh, est-ce que ça s'est quitté correctement Non. Ça a quitté pourquoi À cause d'un signal. Quel était le signal C'était le signal 11. Le signal 11, c'est le 6F. Et puis, est-ce que ça accorde core quelque chose Vous vous souvenez, on a réglé le limite pour avoir un core dump. Là, je regarde, j'ai bien un core qui s'est créé juste à l'instant. Donc, et une dernière chose, parce que euh, je sais que parfois il y a des tech 2 qui nous regardent et j'ai essayé de me creuser la tête pour savoir euh, qu'est-ce que je pourrais bien rajouter de plus dans ces choses-là pour qu'on puisse euh, apprendre quelque chose. Donc en réfléchissant un petit peu, bah, moi je vous remercie parce que j'ai appris, appris quelque chose euh, que je ne connaissais pas. Donc je sais que débugger des programmes qui utilisent des forks et des execs, c'est assez compliqué. Donc. Euh, parce que lorsqu'on utilise gdb bah en, en fait au moment où on est alors je vais utiliser un gdb un peu plus grand histoire qu'on voit bien le truc donc je suis là donc lorsque j'utilise gdb donc par exemple gdb sur mon hello bon là il n'y a rien de bien compliqué layout hop je fais un break sur main ok et je run ok donc là, je me suis bien arrêté dans mon main. Et puis je fais next, je fais next, ça a planté, on est content. Yes, je vais enlever ce truc là. Hop, je vais recompiler. Je vais relancer mon GDB. Donc, layout next. Je fais un break sur main. Je run. Donc là, je suis là. Je fais next, j'affiche mon Hello World. Je fais next, je continue, et puis je sors, et puis euh, tout s'est bien passé. Donc je, là, euh, GDB de, euh, que vous connaissez. Cette fois-ci, je voudrais utiliser GDB, mais sur le exec. GDB sur exec. Donc pareil, layout next, break main, OK, et run. Et donc là, regardez, ce qui va se passer, c'est que... Bah, hum, je fais un next, je fais un next, et je voudrais, euh, là, si je fais encore un next, vous voyez que je suis dans le parent. Là, je suis dans le parent, il a attendu, etc. Mais moi, ce que je voudrais, en fait, c'est de me dire, mais j'ai pas envie de, de faire du pas à pas dans le parent, j'ai envie de faire du pas à pas dans l'enfant. <laughs> encore une phrase chelou. Euh, donc, <laughs> donc, en fait, pour pouvoir y arriver, je vais utiliser une option que, euh, que GDB me propose. Donc, vous voyez, là, je peux utiliser 7. Donc, en utilisant 7, je peux utiliser 7. Donc, là, j'utilise des tabs pour voir. Et en fait, j'ai un set exec mode et un set fork mode. Donc, le set fork mode, lorsque j'utilise encore un table, ça me dit est-ce que je veux suivre l'enfant le, ou le parent Bah Là, je vais dire je veux suivre l'enfant. Et puis, je veux faire un follow sur les execs. Je veux, suivre, je veux continuer de débugger à l'intérieur de mon nouveau programme. Donc là, je run. Euh, je suis déjà en train de run, d'ailleurs. Donc, vous voyez que là, hop, je fork. Et là, maintenant, si je print PID, vous voyez que je suis bien avec le PID 0 parce que j'ai demandé à GDB, lorsque tu forks, suis l'enfant. Et puis là, j'ai demandé à GDB, je lui dis dit, bah, quand tu execs. Et eh bien, suis la continue. Là, maintenant, rentre dans le programme. Euh... <laughs> euh, je, vais, je, veux, euh... je veux continuer de suivre l'exécution le, le, du execv. Donc là, ce que je vais faire, c'est un C pour continue. Et là, boum, vous voyez, j'ai réussi à m'introduire. Enfin, de, de toute façon, tous les trucs sont nazes. Euh, j'ai réussi à continuer euh, de traquer euh, l'exécution de mon nouveau programme execv. Et puis là, hop, continue, et puis on est content, etc. Donc en tout cas, tout ça pour vous dire euh... <laughs> tout ça pour vous dire. Euh... Ouais, ouais. <laughs> Il faut bien penser à rajouter processus avant à chaque fois de dire enfant ou parent, je le, retiens... je le retiendrai. Donc euh... tout ça pour vous dire, voilà, en tout cas, avec GDB, on a la possibilité de suivre le fil d'exécution du processus parent ou du processus enfant et de continuer de suivre l'exécution euh, du processus chargé lorsque l'on utilise exec grâce au setFollow exec mode et setFollow fork mode. Voilà. Donc sur ces bonnes paroles, avant que le ban arrive <laughs> incessamment, euh, J'espère que euh, j'ai été assez clair euh, pour vous montrer ce qu'était un processus, comment on en créait, comment est-ce qu'on pouvait remplacer le processus par le contenu d'un autre programme, afin euh, que l'on puisse euh, faire ce Michel 1. Et euh, toute cette merveilleuse aventure nous a permis euh, d'avoir euh, chaque aluné qui nous rejoint. Donc euh, je te remercie et je te souhaite la bienvenue. Euh, juste pour savoir, je n'ai pas compris à quoi correspond le « env » dans le « int main », etc. Alors, effectivement, lorsque l'on lance. Bah on, va, on va terminer là-dessus. Lorsque l'on est dans un environnement d'exécution. Euh, merci pour le host. Bon, on a bientôt fini, de toute façon. Donc. Euh euh, lorsque on est en train de suivre le, le, lorsqu'on est en train pardon, pas de suivre, lorsqu'on est en train d'exécuter des programmes, vous voyez qu'on a affaire à différentes variables d'environnement. Typiquement une variable d'environnement que l'on connaît euh, tous, c'est le pass. c'est l'endroit où notre programme, notre euh, système euh, d'exploitation va chercher les programmes à lancer. par exemple si je lance, si je tape LS eh ben, euh, le, 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 le shell il va, il va regarder est ce que les LS se trouvent dans ce répertoire. Est-ce qu'il se retrouve dans ce répertoire Alors attendez. Là, cette, cette variable d'environnement, si je la découpe sur les deux points. OK Donc cette variable d'environnement passe, elle nous permet de savoir, de vérifier, de, de voir où se trouve la commande que j'essaye de lancer. Donc LS, est-ce que LS se trouve dans ce répertoire est-ce que ça se trouve dans celui-là, dans celui-là, etc. Et puis finalement, il finit par trouver. Non, LS se trouve dans UserBin. Donc, je sais comment charger ce truc-là. Pour pouvoir le savoir, on a besoin de variables d'environnement. Typiquement, là, le pass. Mais des autres variables d'environnement, j'en ai plein. Lorsque je tape la commande env, je suis capable. Alors, attendez. Si je tape la commande env, bah, je suis capable de lister toutes mes variables d'environnement qui existent. Okay Et ces variables d'environnement, en fait. Euh, Lorsqu'un processus parent crée un processus enfant, il est capable de lui transmettre ses variables d'environnement. Si je regarde un petit peu toute cette affaire-là, typiquement ici, je vais lui faire int argv, int argc, char étoile argv, et char étoile, parce qu'en fait, main, euh, les fonctions main, en fait, ça prend, pas, euh, ça prend trois paramètres en fait. Donc, ça prend la liste des arguments et ça nous. Donc, en indiquant sa taille, et puis ça nous prend aussi un tableau, qui se, un tableau de chaîne de caractères qui se termine par la chaîne de caractère nulle. Donc, on va terminer sur ça. Hop, pourri allant de 0 à arc -c. arc C. hop. Là, je vais printf. Arc V de. Pourcentagesse, tac, tac max la chaîne rv de i et i, pardon et, 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 et je vais faire une autre boucle aussi pour i allant de 0 à tant que FP de i différent de nul Infp. je vais recompiler tout ça alors cette fois-ci je vais recompiler juste le hello et regarder ce qui se passe. Donc le hello, je vais lui passer des arguments, donc slash hello 12 34 et toto 28. Hop! Regardez ce qui s'est passé. Donc ça m'a affiché mes argv. OK? Donc ça me dit que des argv il y en a 4. Il y a le Hello, il y a le 12, il y a le 34 et il y a le Toto 28. Et puis ça va m'afficher tous les envp. Donc là, tous les envp, ce sont toutes mes variables d'environnement. Et les variables d'environnement, elles sont passées, de quelle façon Elles sont passées euh, dans un tableau, dans un tableau qui contient un élément et qui se termine forcément par le, la chaîne de caractère nul. Donc tant que je ne tombe pas sur la chaîne de caractère nul, je vais les afficher un à un. Et en fait, ce que j'ai affiché ici, c'est exactement le contenu de env. Et dans Env, vous voyez que l'utilitaire la, 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 Env ne fait ni plus ni moins que la même chose que l'affichage de l'ensemble des EnvP. Et donc chacun de ces Env, c'est une chaîne de caractère. Et cette chaîne de caractère, elle est formatée de telle façon. De, de quelle façon elle est, formatée, elle est formatée de la façon suivante. C'est un nom égal quelque chose. Et comme ça, ça nous permet d'avoir une association entre une clé et une valeur. Là, si je fais un euh, écho dollar terme, par exemple ici. Là, je vois que terme, c'est égal à ça. Et eh ben vous voyez que mon terme, c'est x terme. Si je fais écho de $less open, pardon, open, vous voyez que ça m'a affiché ce truc-là. Donc, ça, en fait, ces variables d'environnement, elles permettent à certains autres programmes de fonctionner correctement. Euh, typiquement, on a la variable d'environnement euh, user. Où est-ce qu'on l'a, quelque part je ne sais pas où est-ce qu'on l'a. User. Non, je ne l'ai pas. Ah, j'ai la variable d'environnement home. Vous voyez que mon home, c'est root. Parce que je suis l'utilisateur root, là, je suis en train d'utiliser. Et voilà. Euh, la variable d'environnement, elle, elle est disponible dans les environnements. Donc l'idée en fait des exec, euh, des exec qui terminent par des E, c'est de nous offrir la possibilité de remplacer. Euh, ou d'ajouter ou de supprimer des variables d'environnement depuis le processus parent vers le processus enfant. En revanche, si on utilise les versions exec mais sans le E à la fin, et ben on, on, le système d'exploitation va transmettre tel quel les variables d'environnement du parent à l'enfant à, à l'exécution. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas abordé les variables d'environnement, mais euh, ce serait plutôt, je crois, des choses qui sont plus abordées sur Mini-Shell 2 que sur le Mini-Shell 1. Donc, euh, voilà, en tout cas, euh, c'était pour répondre à la question de d'Eotrix, effectivement, le, du pourquoi, du comment, on avait un troisième argument, et euh, quelle est la différence avec exec. Donc, souvenez-vous bien, exec, exec, ça prend soit un L, soit un V ici. Donc, c'est pour savoir est-ce que la suite des arguments, on va la passer en mode. Euh, liste infinie de, de caractères avec les STD args. Ou est-ce qu'on lui passe un vecteur, donc un tableau. Et puis ici on a des p. Le p ici il sert à nous indiquer est-ce que euh, on va chercher dans le pass euh, le premier argument ou est-ce qu'on va lui donner le chemin complet. Et le e il est là pour savoir est-ce qu'on va injecter en dernier paramètre les variables d'environnement ou pas. Donc euh, voilà un peu euh, ce, qui, euh, ce qui fabrique des exec, euh, lv, pe, etc. Ça vous donne un peu la nomenclature, euh, de vous y retrouvez un peu. De vous y retrouver. Et nous, il me semble que dans le cadre de nos utilisations à nous, euh, enfin, vous, vous allez avoir execve, donc c'est un exec qui prend un tableau d'arguments qui se termine par nul, plus un tableau de variables d'environnement qui se termine par nul, et le premier argument, c'est le chemin complet vers l'exécutable qu'on essaye euh, d'exécuter. Donc voilà, en tout cas, bah, je vous remercie, ça a été un stream assez long. Là, je vois 1h40, je sais que c'est très long 1h40 et que tout le monde n'est pas forcément concentré du début à la fin. Donc euh, voilà, c'était un gros morceau. Est-ce qu'on aura une moulie pour le bootstrap Je crois que oui, je crois que oui, je vais vérifier avec vous. Euh, PSU, PSU, PSU1, je pense. Oui, il y, y, y a une moulie pour le, pour, le, pour le bootstrap. Donc voilà, en tout cas, bah, je vous remercie euh, de votre attention et j'espère que vous allez pouvoir euh, trifouiller, expérimenter, voir plein de trucs. Euh, maîtrisez bien, euh, dès que vous arrivez à visualiser ce que fait fork, ce que fait wait et ce que fait exec, bah, là vous avez euh, tout compris et il n'y aura plus, euh, plus de soucis pour vous. Donc euh, je vous souhaite une belle matinée et puis euh, je vous dis à, à plus tard, à ce matin ou à cet après-midi pour ceux que je verrai. Euh, voilà, trifouillez bien qui vous voudrez et, euh, et euh, bonne journée à vous tous. Merci et ciao ciao